ערב טוב. Le livre de Dvarim, Yehilui Nishmat Hashem Atov, Yaakov, Ben Rivka, Ruach Adonai, Tenechanu Began Eden, Yehilui Nishmat, Nathan Michael, Ben Chaya Solon Suika, Ben Daniel, Ben Rivka, Yafuat, Yehilui Ben Rout Nesodi, Esther, Shushana, Ben Rout Nesodi. Le livre de Dvarim, d'un côté c'est Mishneh Torah, de l'autre côté, c'est dans ce livre, on entend l'inquiétude de Moshe Rabbeinu pour le Ham Israël. Tout le livre de Dvarim, le livre entier de Dvarim, ça ne prend pas longtemps pour dire ce livre de Dvarim. C'est vraiment les deux derniers mois de Moshe Rabbeinu sur terre, où il prépare Am Israël à son décès. Et il ne veut pas leur laisser, les laisser des dossiers ouverts. Il veut les aider. Et il a très peur de l'avenir. Am Israël est très jeune. 40 ans. Avec tellement d'histoires. N'oublions pas que c'était un peuple païen avant, en Égypte. Même que les origines, c'est des bonnes origines, les origines de Tzadikim, d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais en étant en Égypte, ils ont adopté le comportement égyptien à 100%. En sortant d'Égypte, ils étaient complètement idolâtres. Ça n'a pas tardé d'ailleurs, 90 jours de la sortie d'Égypte, 40 jours après la Torah, qu'ils ont reçu près le Mahamad Arsinaï, ils ont fait la faute du veau d'or. Et c'est pour ça que les mots de Moshe Rabbeinu Alav HaShalom dans cette paracha sont tellement calculés. Chaque mot est censé à réveiller quelque chose dans le cœur du Ham Israël. C'est pour ça que le livre de Dvarim, mon cher Rabbeinu à l'époque, il analyse et il comprend que le plus grand des problèmes du Ham Israël, c'est la faute de la Avodah Zara, l'idolâtrie. Alors il parle tellement de l'idolâtrie. Il raconte au Ham Israël, vous vous souvenez, ce grand moment quand Kadosh Baruch Hu a apparu. Vous savez comment il vous a parlé, qu'est-ce qu'il vous a dit. Et il nous éloigne sur tout le livre de l'arbre d'Azara. Les bénédictions, c'est sur l'éloignement. Les malédictions, c'est sur la proximité à l'arbre d'Azara. L'arbre d'Azara, dans le Ham Israël, c'est un Yetzirara qui a dominé le peuple d'Israël. On peut dire à peu près 1000 ans. 1000 ans, c'était la plus grosse épreuve de l'homme dans sa vie. Depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la construction du second temple, c'était la avéra la plus dominante chez le juif. La avodah zara. Pour cela, Akadosh Baruch Hu nous a donné aussi dans ces époques les plus grands des prophètes pour donner un équilibre à ce monde de Touma. Il fallait voir aussi la main de Dieu par ses prophètes. Il y avait des prophètes qui disaient des choses incroyables. Les fidèles, les bons juifs allaient poser la question aux prophètes sur n'importe quoi. Est-ce qu'il fallait donner un tel médicament à son fils ou l'autre médicament? Shaoul Amelech, la preuve la plus simple. Quand Shaoul perd ses ânesses, il avait des ânesses, il entend que le prophète Samuel
se trouve quelque part et il arrive chez lui et Samuel lui dit où il va les trouver. Et en même temps, il prend de l'huile, il fait oindre. Shaoul lui dit, c'est toi le roi. On dit, il a cherché les années, il a trouvé le royaume. Mais il est parti chez qui? Chez le tzadik, chez le prophète. La prophétie était vivante. Elle donnait une réponse aux besoins de la génération. Ezra a décidé d'annuler le Yetzer Hara de la Avodah Zara. Quand il y a le peuple d'Israël qui se réunit dans le nouveau temple, le second temple que Ezra a construit, c'est Soukhot. Ezra leur parle des malheurs, des dégâts, des catastrophes, de ce que l'idolâtrie a fait dans Israël. Des grandes parties du Israël ont été éliminées. Les 10 tribus, 150 ans avant que le peuple ait été exilé à Babel, avant que c'est Juda et Binyamin. Mais avant, 150 ans avant, c'est les 10 tribus. C'est Réhouven, Shimon, Issachar, Zevulun, Dan, Naphtali, Gad, Asher. Yosef, c'est Ephraim, c'est Ménaché. Tous ceux-là ont été exilés. On n'a plus rien de ces 10 tribus. Ces 10 tribus, peut-être qu'ils doivent avoir un peu des familles. Qu'au moment où ils ont été expulsés, ben, c'est des familles qui n'ont habité pas dans le coin exactement de leur terrain qui leur a été donné par Moshe Rabbeinu, et c'est comme ça qu'ils ont été sauvés. Et c'est comme ça que ça nous reste dans le Ham Israël quand même, les 12 tribus. Mais ces tribus, en grande majorité, ils ont été complètement éliminés 140 ans avant la destruction du premier temple. Ezra pleure avec les enfants d'Israël sur ces événements qui se sont passés. Et il dit au peuple, dans ce moment de détresse, « Est-ce que vous êtes prêts de faire un effort avec moi ? On annulera la Avodah Zara. On ne sera pas récompensé en étant fidèle d'Hachem pour une ferveur de Avodat Hashem sans Avodat Zara, mais au moins, on n'aura pas cette faute qui est avec nous chaque moment et chaque instant. Et il a demandé à Hashem, on lui a dit, tu sais, ça demandera encore un sacrifice du peuple d'Israël que il n'y aura plus de prophète. S'il n'y a pas d'Avodat Zara, on n'a pas besoin de prophète non plus. C'est pas la peine de donner un équilibre, un équivalent. Et le prix à payer, c'est qu'on a perdu la prophétie. Il n'y a plus de prophétie. Il n'y a plus 10 miracles, des miracles incroyables qui se passaient dans le temple. Parce que le libre arbitre, il faut qu'il soit toujours équilibré. Preuve qu'il y a Hachem et preuve qu'il n'y a pas Hachem. Et Ezra déclare un jour de 3 jours de jeûne. Et le peuple d'Israël jeûne 3 jours. Quand ils sont en train de crier à Hachem de se repentir, tout d'un coup, il y a un lion en feu qui sort dans la foule. Il sort du Kodesh HaKodashim. Et Ezra dit, voilà, c'est ça le mauvais penchant de la Avodah Zara. On l'attrape. On le met dans une cage en plomb qui est fermée, et il tape dessus, lui, et avec des tefillotes, il tue, il crie, il hurle. Et avec ça, il meurt, il perd sa faiblesse d'influence d'Avodah Zara. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un juif, c'est fou. Quand on lit dans la Bible, tout le livre de Shoftim, de Yoshua, de Melachim, l'histoire de Achav, de la Avodah Zara, des Molèques, des trucs. On devient fou. Si moi je vais en Thaïlande aujourd'hui, ou dans tous ces pays d'Asie, je regarde, je rigole. Ça me fait rire qu'il y ait des gens qui amènent des offrandes, des sacrifices. Je vois un hindou faire du yoga pendant 3 heures. Oh,
Reste où tu es. J'ai rien contre le yoga. Ça dépend à quoi tu veux te concentrer. Le yoga, c'est une méthode. Ça dépend avec quoi tu la pratiques. Tu peux la pratiquer dans la Kedusha et tu peux la pratiquer dans la Touma. Et quand on voit ça, on dit c'est tellement ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule cet Avodah Zara. On n'arrive même pas à comprendre à quel point nos parents, nos aïeuls, étaient introduits là-dedans. Le Talmud nous dit qu'en Samarie, Shomron, il n'y avait pas un demi-mètre carré sans symbole de Avodah Zara. C'était sur les pavés des rues, dans les maisons, dehors, à l'intérieur. Quand on ouvre dans des sites archéologiques, ben ils en trouvent même chez les Juifs. Il y a des symboles de Torah et des symboles d'ailleurs à Jérusalem. On trouve beaucoup de traces. À l'époque du premier temple. Les prophètes parlent là-dessus. Jérémie, Ézéchiel, Isaïe. Et la Gemara nous dit, il y a un traité entier, Maseret Avodah Zara. Et en fait, la Avodah Zara, elle est proche de la Kedusha beaucoup plus que ce qu'on pense. La Avodah Zara, tout d'abord, elle montre une volonté d'un homme à trouver une signification dans sa vie, à trouver un créateur. Et à demander et à savoir qu'il y a quelqu'un qui est responsable de lui. Donc là, Avodah Zara, quelque part, c'est une recherche. Quand l'homme il est dans la recherche, ça va. Quand l'homme s'est fixé là-dessus, c'est parce qu'il a arrêté de chercher. Avraham Avinu était païen, lui aussi. Et il a cherché, il a changé beaucoup de religions avant d'être monothéiste. Parce qu'il a cherché dans son émet. D'ailleurs, il faut le savoir, clair et net, que nous, dans la société occidentale, on a souvent des gens avec nous qui n'y croient en rien. Il vous dit, moi, je ne suis pas religieux, mais je n'y crois en rien. Ils sont nombreux. Pour le Rambam, ceux-là sont plus graves que les païens, que les idolâtres. Celui-là, il a une règle au moins. Il a une règle. Il a un Dieu, il a une autorité. Si demain, cette force, cette autorité, on lui dira, on lui prouvera qu'elle exige et qu'elle demande telle et telle action, il la fera. C'est pour ça d'ailleurs que les plus grands assassins de l'histoire étaient athées. Si vous regardez Hitler, Staline, Mao, ils sont tous des athées. Ils croyaient dans la mystique, mais ils étaient athées. Athées, c'est... Il n'y a pas à rendre des comptes devant qui que ce soit. Il n'y a pas de créateur. Il y a un secret. La mystique, c'est un secret, c'est pas de la croyance. Vous allez voir beaucoup de gens qui vous disent qu'ils sont spirituels. Mais ils sont spirituels sans être croyants. Pour eux, spirituel, ça n'a aucune notion, aucune proximité avec la Emouna en Hachem. Un homme peut se déclarer spirituel et en même temps athée. Spirituel, c'est qu'il entend des choses qui ne sont pas physiques. C'est ce qu'ils appellent spiritualité. Tout est déformé. On vit dans un monde où tout est déformé. Et c'est pour ça que le livre de Devarim, on aurait pu penser que tu peux tellement, supprimer tellement de textes dans ce livre qui parlent de Avodah Zara. Tu peux supprimer des parachutes entières qui parlent de l'éloignement de Avodah Zara. Tu te dis, non!
En quoi je suis concerné, moi, dans tous ces versets sur versets, chapitre sur chapitre de Avodah Zara? Ça va. Mais on ne se rend pas compte qu'on peut être athée. Ce qui est le plus dur, Toda, c'est d'être un religieux athée. Vous connaissez ça, les religieux athées? Hein? Ne connaissez pas? Il y a des religieux athées. Bien sûr. Je ne parle pas des gens qui vivent une double vie dans la religion, ça veut dire. Il y a toujours des gens qui se montrent quelque part religieux, pratiquants, et chez eux à la maison, ils ne pratiquent absolument rien, ils font des choses pour la société. Bien, ça existe. On est connu des gens. À un niveau de très élevé d'hypocrisie, de mensonge, des gens qui. De la même manière qu'un homme dans sa vie de couple, il peut avoir des gens qui ont une vie doublée, il y a des gens que leur vie religieuse, elle est doublée. Un jour, j'étais dans l'avion, il montait derrière moi un couple musulman, où la femme était avec le voile, ils ont distribué des sandwichs au porc, et il a pris, il a mangé. Il a mangé, et moi je croyais, comme j'ai vu que sa femme était religieuse, je me suis dit, quand même, peut-être il faut lui dire, il est musulman. Donc je me suis tourné, la dame elle était avec le sandwich dans la bouche. Et je lui ai dit, madame, c'est pas halal, c'est du porc. Khanzer. Elle a fait comme si, son mensonge, comme si elle était surprise. Et lui, il ne pouvait pas se retenir, il a éclaté de rire. Mais, voilà, comme ça. Et après, je lui posais la question, est-ce que le Coran, il est valable que dans la terre ou aussi dans le ciel? C'était dans l'avion, alors peut-être. Ils ne se sont pas concernés. Mais ceux-là, ils vont vous dire que dans le Coran, il est écrit qu'il faut tuer les juifs. Comme ça, ils vont vous dire. Ceux-là qui mangent le porc. Alors aujourd'hui, qu'on est tellement loin de la Avodah Zara, pourquoi on a besoin de lire autant le livre de Devarim? Est-ce qu'il y a cet élément en nous de Avodah Zara? Aujourd'hui, la plus grande Avodah Zara, si vous voulez la voir, c'est très simple. Elle se trouve dans n'importe quelle maison. Dans n'importe quelle maison, il y a une très grosse Avodah Zara. Vous savez, vous pouvez la voir? Quand vous allez devant le miroir, vous la voyez. Quand on va devant le miroir, on voit la plus grande Avodah Zara. C'est qui la Avodah Zara? C'est nous, quand on y croit en nous. Nous, qui sert nous. Le prophète, quand il pose la question au roi Israël, à quel point vous êtes des ovdei Hashem? Je veux dire, si on se déclare juif, on se déclare juif. Ça veut dire quoi juif? Ça veut dire quoi être juif? Vous allez demander, malheureusement, à 98% des gens, vous savez qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Être juif, c'est de naître à une maman juive. Et en quoi ta maman est juive? Ben, sa mère aussi était juive. Et sa mère. Et sa mère. Et sa mère. Ah oui, ils sont sortis d'Égypte.
Et ils étaient devant le mont Sinaï. Ils ont dit Kol Asher Yomar Hashem Naase Venish. Ça fait peur parce que on n'est pas idolâtre. Notre idole, elle est différente aujourd'hui. Beaucoup plus vicieuse. Beaucoup plus intelligente. Mais l'idée, l'idolâtrie, c'est l'éloignement d'Hachem. L'éloignement du centre de notre vie. Et la vraie question, c'est à quel point, étant juif, on est proche d'Hachem. À quel point. On est proche de lui quand on est à la synagogue. On adore la tefila parce qu'on se retrouve chez Hachem, dans un lieu sacré. Mais ça, c'est toi qui viens chez Hachem. Est-ce que tu amènes Hachem avec toi dans ton bureau? Est-ce que tu Hachem te tient compagnie quand tu sors dans la rue? Est-ce que tu fais rentrer Hachem chez toi, à la maison, même dans ta chambre, à coucher? C'est ça, Hachem. Ça, c'est Avodat Hachem. Ve'avta et Adonai Elohecha, quand on parle de, dans le schéma Israël, de l'union d'Hachem, on accorde un passage qui explique c'est quoi aimer Hachem. Le second passage, il nous éloigne encore une fois de l'idolâtrie. Ishameru lachem pedifte levavrem besartim. Mais l'équivalent, dans son parallèle dans la Avodat Hachem, il nous a expliqué de quoi s'éloigner. Mais il nous a mis aussi un parallèle. C'est quoi ne pas être éloigné? C'est de Alta et Adonai Elohim, Abechon Levatra, ou Chon Afshira, ou Chon Moder Avayu, Adevarim, Aele. Asher Anochim et Savecha, Ayom, Alevanecha. Veshinan Tam Levanecha. C'est-à-dire, ok, tu dis, je suis pas païen. Je me prosterne pas au soleil. Mais à quel point tu te prosternes à Hachem? À la synagogue, Hachem, à quel point il est présent dans ta vie? Ça, c'est la plus grande inquiétude de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Am Israël a pris assez de tannées pour comprendre c'est quoi la Avodah Zara. Chaque fois qu'il y a une Avodah Zara ou qu'il y a un éloignement, ils prennent des tannées. La dernière qu'ils ont pris, elle a pris 5% du peuple juif, 24 000 personnes. Dans les histoires des filles de Moab. Bizarrement, ils arrivent en Israël après la mort de Yoshua Binoun. Il y a tout de suite ça. Il y a tout de suite la Avodah Zara. Tout de suite. Il n'y a aucune volonté de nommer un roi, d'avoir un seul leader. Il y a un égoïsme total qui rentre dans la société. Et que aucune des tribus est d'accord d'aller faire la conquête pour une autre tribu. Pour Israël. Israël n'a pas été partagé encore. Un peu. Yoshua Binou n'a pas fait toute la conquête, il est mort au milieu. Et il y a des coalitions qui se font. Il y a Yehuda et dit à Shimon, tu veux venir militer avec moi, je vais récupérer la terre de la Judée. Et moi je descends avec toi après pour t'aider dans le Negev. Et Shimon dit à Yehuda, ok. Je monte avec toi. Beaucoup d'autres tribus ne font rien. Et comme ils n'arrivent pas à collaborer les uns avec les autres, ils sont paresseux, ils ne chassent pas les goïms. Ils se mettent dans des petites régions. Ils sont rentrés, ils sont 50 000, 60 000. Ils se font des petites villes sympathiques, des résidences. Et à côté d'eux, il y a des colonies philistènes, hémorites, ammonites, qui se renforcent doucement, et qu'après ils vont être la source du mal du peuple d'Israël pendant 400 ans, jusqu'à l'époque de Shaoul, et après David, après Salomon. Parce qu'ils n'ont pas pris toute la terre. Et tout ça, ça rejoint la Avodah Zara tout le temps. La Avodah Zara, elle a deux manières pourquoi elle s'exprime.
La première manière est très bonne si je suis idolâtre. Si je viens, si un homme commence de l'athéisme, il passe à l'idolâtrie. C'est une belle étape. Je le félicite. C'est à féliciter. C'est-à-dire, de la conclusion que tu avais avant, que le monde a été créé sans rien du tout de lui-même, tu viens et tu dis, il y a un créateur dans le monde. Il y a une force surhumaine, surnaturelle, qui a créé le monde, et je suis soumis à cette force, il faut que j'apprenne qu'est-ce qu'elle exige de moi, si c'est je suis issu de ça. Donc tu es dans un voyage vers le Emmet. Ça veut dire un homme, un être humain, il est là, il comprend très bien que s'il y a bien un créateur, il y a des règles. Il me demande quelque chose quand même. Il y a des engagements. Si tu sais que ce monsieur c'est ton père, tu dois lui faire un service, tu dois l'aider, tu dois l'honorer. Si tu sais qu'il y a Hachem, si tu sais qu'il y a un créateur, tu es soumis à ces règles. Et ça, c'est magnifique. Si je suis dans la recherche, vous savez, quand je suis là-dedans, je suis introduit dans la Torah, je suis rendu dans les mitzvot, dans les maasim tovim, et je vais chercher, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Et là, c'est quoi? C'est quoi? C'est de la tromperie. C'est de dire, j'ai pas envie d'être engagé à lui. Je vais essayer, peut-être c'est quelqu'un d'autre. D'où il commence à venir le doute? Par mes envies, qui sont contre son autorité. L'envie est plus forte que la peur de son autorité, mais son autorité me gêne. Et je cherche à faire ce que je veux. Faut comprendre. Souvent, les gens posent la question, ils disent, toi, t'es religieux, comment tu fais une avéra? Vous connaissez cette question? Comment ça se passe dans la tête d'un religieux quand il fait une avéra? Comment ça se passe? Comment une tête d'un religieux, comment ça marche? Comment ça marche? S'il va vous dire, j'ai pas pensé, j'ai fait, t'es un idiot, tu fais des choses sans penser. Comment ça se passe dans la tête d'un homme? Quand il a envie de faire une avéra? Il négocie. Il y a toute une négociation, bien sûr qu'il y a une négociation. Il y a tout un travail qui se fait. Quoi, vous pensez que... Il n'a pas de remords. Il a. Comment ça marche? Comment il pratique la avéra? Il fait le fou. Comme que la Gemara dit, Adam Proté, et là, Kenichnas Bourou. Il fait le fou. Faire le fou, c'est quoi? Mais tu sais que t'es pas fou quand tu fais. Mais tu te dis que t'es fou. Pour te raconter une histoire. C'est exactement la même chose comme quelqu'un qui vole son associé, comme un conjoint qui fait du mal dans son couple, comme tout. Comment le système fonctionne chez nous? Dans ces moments-là où l'homme affronte son Yetzer Hara et il a Hachem qu'il adore de l'autre côté, et qu'il aime d'un côté, le moment de l'affrontement, c'est la Avodah Zarah. Ce moment terrible, le plus terrible dans la vie d'un croyant. La seconde qui va précéder la Avera, c'est le moment le plus dur pour un croyant. C'est le moment où il sait qu'il y a Hachem, mais il dit, il y a quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que la faute d'un croyant, elle ne mérite pas un grand guéhinnom, parce qu'il kiffe pas sa vie.
Rabbi Nachman de Breslev, il a dit un jour à quelqu'un, il a dit, Rabbeinu, il a dit, viens chez moi. Viens chez moi comme ça, même quand tu fais une avéra, tu la kiffes pas. Viens chez moi, ça vaut le coup de venir. Tu seras pas un grand pieux, un grand sadique, mais au moins tu kifferas pas tes avérot. Cet Avodah Zara, nous tous on est tombés là-bas. Et il faut sortir de cet Avodah Zara. Et c'est pour ça que beaucoup de fois on se ment à nous-mêmes. Moi, Avodah Zara, je suis le plus grand des croyants. Moi, Avodah Zara, comment tu matches la Avodah Zara avec moi? Ça colle pas! Moi, je suis. On peut être prêt de mourir pour Hachem. Et au moment même de la Avera, on veut pas la voir, mais au moment même, c'est quelqu'un qui te dit, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas Hachem? On tombe dans la Avodah Zara, oui. Maintenant, il n'y a pas Hachem. Laisse-moi tranquille. Viens me poser cette question dans 10 minutes. Viens me la reposer. Et ça, c'est le Icar de la Chazara Bitshuva. C'est le Icar de la Avera. Vous savez que les trois Averot que la Torah, elle a tellement rendu grave la Avera, comme Avodah Zara, Giloud Arayot et Shfirout Damim, on se dit, on n'est pas là, mon prochain. On n'est pas païen. On n'est pas dans l'adultère, femme mariée. Non. Et on n'est pas assassin. Hein? Mais ces trois avérotes, c'est la base de tous les 365 avérotes qu'il y a. Tous les 365, ils sont issus de ces avérotes. Ok, t'as pas Shfirout Damim, tu as Malbin Nechavero Barabim? Tu as du Lashon Hara? Tu as des choses qui versent le sang de ton ami, qui vont l'humilier, qui vont lui faire mal? Tu as la jalousie, tu as la Tahava? Tu maîtrises pas tes yeux? Tu maîtrises pas ta bouche? T'es en colère, c'est un dérivé de Avodah Zara? Être en colère, c'est ne pas y croire que Hachem est à la source de ton histoire. Et tellement, tellement de choses, tellement de racines il y a dans ces trois bases, et nous on pense qu'on est très loin dans Avodah Zara. Non! Malheureusement, la Avodah Zara, elle a plein de noms. Et c'est pour ça que on lui a pas donné un nom, on lui a dit Avodah Zara. Tu travailles à quelque chose d'étrange, pas à Hachem. C'est où c'est? Qui tu travailles, c'est à toi de décider. Comment il s'appelle ton Avodah Zara? Même le Lechem Shamaim aujourd'hui. Même le Lechem Shamaim. Il a des noms. Vous savez qu'est-ce qu'il dit à Yerushalayim? Quand quelqu'un dit, Ani osé Lechem Shamaim, il dit, Ata osé Lechem Shamaim, va Shamaim kisi. Pas kisi. La chaise de la chaîne. Kisi, ma poche. Lechem Shamaim. Il y a des gens qui font Lechem Shamaim. Il ramasse de l'argent, il prend 50%, il dit je vais ramasser Lechem Shamaim. Lechem Shamaim. Je me nourris aussi. Il y a tellement de shaker. L'histoire de Dvarim, c'est toutes les vérités que mon cher Rabbeinu va nous lancer dans la figure. Le livre de Dvarim, c'est comme dans la Gemara. La Gemara, elle a quelques types de questions. Et là, Métivé dans la Gemara, hein, c'est une question. Donne-moi ton raisonnement, j'ai un problème dans le raisonnement. Qui ouvre ta? C'est une question de raisonnement. Comment tu raisonnes comme ça? Mais il y a un type de question dans la Gemara qui s'appelle ramé. Ramé, c'est jeter quelque chose devant toi.
Tu as dit quelque chose qui est qui attrape l'œil, je te jette une Mishnah, je me dis, comment tu t'arranges avec celle-là? Tout le livre de Devarim, c'est mon cher Abbé, il nous jette. Alors, cette mitzvah, comment tu t'arranges avec? Comment il allait ton Shabbat? Vous savez, tu dis à quelqu'un, tu fais Shabbat? Ah, bien sûr que je fais Shabbat. C'est comment ton Shabbat? Je n'ai pas le téléphone. J'allume pas de lumière. Mon frigo, je règle avant Shabbat. Mon masgan, je mets un charbon Shabbat. Ma plaque, je ne cuis rien. C'est ça Shabbat. Comment, c'est quoi l'effet du Shabbat? Qu'est-ce que Hachem il voulait que tu sentes Shabbat? Hachem voulait que tu n'aies pas de la lumière chez toi? C'est ça ce que Hachem voulait? C'est ça ce que Hachem a voulu? Hachem, il aime pas quand les gens ils font un plat frais. Il veut qu'ils mangent quelque chose qui a été cuit déjà vendredi. C'est ça ce que Hachem a voulu dans Shabbat? Ben, si c'est ça ton Shabbat, est-ce que c'est ça ce que Hachem a voulu? Qu'est-ce que Hachem a voulu de toi? Hachem a voulu que tu reconnaisses que c'est lui le maître de l'univers. Le maître de l'univers, il a montré comment le monde se refait de la base de ce qu'il lui a mis, il va se renouveler. Il a tout stoppé. Vendredi, il a dit, maintenant le monde va bouger de lui-même. Il a créé un pépin de pomme, il a fait un pommier, il a dit, bah, la pomme, elle aura un pépin qui pourra faire pousser un autre arbre. Le grain de blé, tu vas le semer, il va faire sortir de nouvelles tiges de blé. Un homme que j'ai créé, bah, il va s'unir avec la femme que j'ai créée, il va faire des enfants. Il va faire un autre homme sans que j'intervienne. Et sa présence d'Hachem, elle se trouve dans le moment où il a arrêté, pas où il a construit. Tant que le monde était en construction, il ne pouvait pas se reproduire. Du moment où Hachem a fini de construire, de créer, il peut se reproduire. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu te dit, la reproduction, c'est moi qui la gère. Donc je reste maître de l'œuvre. Quand tu achètes une table chez un menuisier, du moment où tu l'as fait sortir de la menuiserie, le menuisier, même s'il pleure, même s'il monte, il crie, il insulte la table, il lui demande d'être détruite, ça ne marchera pas, sauf dans la photo de cet artiste qui a mis une machine pour détruire son comment il s'appelle là, Banksy. Mais il a mis un moteur dedans. Et il ne peut pas gérer le moteur du moment où la batterie va se finir, s'il n'aurait pas voulu. Mais à Kadosh Baruch Hu, il a fait ce qu'il a fait dans le monde et il continue à gérer le monde. Cette idée, je dois l'acquérir Shabbat. Combien de temps j'ai mis chaque Shabbat pour cette idée? Pas rien que de te rappeler une seconde, de vivre cette idée. De vivre. Shabbat, c'est la source de la parnassa. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu penses à ça, tu n'as plus peur de rien du tout. Pas de minus de ton compte, rien du tout. Pas de débit, rien. C'est Hachem qui gère le monde. Ça, c'est le sol de la parnassa. C'est pour ça que il y avait la manne qui était doublée Shabbat. Hachem te dit, t'occupe pas. C'est moi le maître de l'univers. Où tu as vu ça? Un homme qui est prêt d'abandonner 15% de sa paye. Faire un volontaire. Non. C'est pas que je vais pas ouvrir le magasin et s'il y a une occasion de business qui vient chez moi, je la fais. Non, je veux pas. J'ai pas le droit. J'ai même pas le droit de parler business. Ça, c'est le Shabbat. C'est quoi ton Shabbat? Zachor et yom ha-Shabbat les kadsho. Zachor. Et après, tu as Shamor. Gardez en toi l'idée du Shabbat. C'est des mitzvot. Chaque mitzvah, elle a un symbole. Tu as fait Brit Mila. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il voulait que tu sois blessé à 8 jours.
Hachem, ça lui faisait trop mal au cœur qu'un enfant, il est bien dans les bras de sa mère. Il a dit, non, il faut lui faire mal. Il faut lui couper quelque chose. C'est ça? J'ai fait la circoncision de mon fils. Je suis circoncis. Ça veut dire quoi, je suis circoncis? Hachem, il a voulu une alliance dans ta chair qui va te rappeler que tu es attaché à lui. J'ai un tzitzit sur moi. Il est magnifique. Tu sais combien ça m'a coûté les mèches? Tu sais, je le porte. Quelle épreuve c'est de porter ce tzitzit en été? Magnifique! Magnifique! Mais combien de temps tu as accordé dans la journée à penser à ce que le tzitzit est censé à te faire penser? Tout le livre de Devarim, c'est Rami. Il te jette, Moshe Rabbeinu, des choses. Moshe, il veut te faire penser. C'est pour ça que ce livre, il s'appelle Devarim. Elle est à Devarim, ma chère Guilherme, Moshe. Parlons de ça. Venez enfin un dialogue. Venez discuter. C'est quoi les mitzvot pour nous? C'est quoi? Notre avodat Hashem. On est dans une génération où il y a beaucoup, beaucoup de mitzvot. Mais il n'y a pas beaucoup de pensées. Maintenant, il y a des gens. Ils vont que dans les extrêmes. Ou que de la pensée et pas de mitzvot, en réalité. Ou que des mitzvot et pas de pensée. Et marier les deux ensemble, c'est notre mission. Il y a beaucoup de gens qui sont philosophes, ils sont prêts de parler de toute la Torah, mais sans faire quoi que ce soit. Et il y a d'autres qui font, mais qui ne parlent pas. Et ça, c'est le Icar de la Avodat Hashem. Être Oved Hashem. Et c'est pour ça que le Kriyat Shema, le Shema Israël, il n'a pas lieu dans les livres. Regardez. Shemot, Vaikra, Bamidbar, et Bereshit, il n'y a pas de Kriyat Shema. Le Shema Israël, il vient dans le livre de Devarim. Le Shema Israël, c'est pour nous rappeler qu'on n'est pas païen, mais ne pas être païen, c'est ne pas se prosterner à une pierre. Mais c'est quoi un Oved Hashem? C'est quoi le parallèle du païen? Ça, on ne sait pas. Et c'est pour ça que quand on dit qu'on n'est pas Oved Avodah Zara, on n'est pas idolâtre, c'est une facilité. C'est pour ça que je vous ai choqué. J'ai dit que la plus grande idole chez vous à la maison, elle se trouve devant le miroir. Chez moi aussi, non? Pas que chez vous. Parce que si on ne se pose pas des vraies questions, des questions qui nous font mal, pas des questions sympas que je sais répondre. Non. Non. Quand on rentre dans un magasin, on veut maintenant, on est en vacances, on rentre dans un magasin de puzzle ou de Lego. Prends le plus compliqué, celui qui va te prendre la tête. Celui que tu vas regretter mille fois quand tu as commencé après la première heure que tu l'as acheté. C'est celui-là qu'il faut acheter, c'est celui-là. C'est celui-là qui fera ton tikkun de ta patience. C'est celui-là qui va te faire travailler ta tête. C'est ces questions les plus, ce que tu ne veux pas poser, que tu as en toi des touffes, des coussins, tout ce que tu veux, tu as mis là-dessus pour ne pas les voir. C'est cela qu'il faut les faire sortir. Te poser les vraies questions. Les vraies. Ramène-nous tous en chemin de la voie d'attachement. C'était ça. Celui qui étudie bien, écoutez mon haran. Il voit que c'est des remises en question dans tout. C'est ce cri du livre de Devarim qui passe. Et qu'il a un fil conducteur sur toute la Torah.
comment tu te vois juif? Comment tu te vois au Veda Hashem? Comment? Ta Veda Hashem, c'est quoi? C'est autour d'une table? C'est ça ton kiff? C'est du kiff. Mais c'est loin de la Veda Hashem. Ta Veda Hashem, quand elle est bien équilibrée, alors oui, la table elle devient une Veda Hashem. Oui, c'est vrai. Quand on Shabbat, il a un contenu, alors la table, c'est de la Avodat Hashem. Mais sinon, t'as un homme qui mange, viens, c'est tout. Arrête de te mentir, de te voiler la face, que c'est Shabbat, que c'est Kadosh. Arrête. Arrête. Sois pas menteur. Sois pas menteur. Combien de mensonges tu peux dire? On a besoin d'être des anchemites. Des gens qui cherchent. Le jour où on arrête de chercher, il n'y a aucune raison que l'âme Israël existe. Un des plus grands problèmes de l'État d'Israël, et de ce que vous voyez maintenant dans les rues, un des plus grands problèmes, c'est que pendant 1900 ans d'exil, on a essayé de s'imaginer comment il aura l'air notre pays. Quand on a lu les paroles de Isaïe, et voici Hachem qui va venir vous chercher, qui va vous ramener, et vous serez la lumière du monde. On était dans les rêves. Les paroles des prophètes, nos yeux brillaient quand on entendait ces haftarot à la synagogue. Et là, voilà, t'as un pays. T'as un pays bidon comme tous les pays. La même pourriture. La même ingratitude. Le pauvre et la veuve et l'orphelin chez toi, ils sont pas mieux qu'ailleurs. Ton pays n'est pas exemplaire. Il n'y a pas la chèvre qui dort avec le loup dans le même coin. Le mouton a toujours peur de se faire agresser. Il est où ton émet? Il est où? Tu as lutté 1900 ans pour quoi? Pour refaire un Occident dans le Proche-Orient et de dire... Est-ce que ça te rassure de dire on est le seul pays démocrate dans le Proche-Orient? C'est pour ça qu'on a créé Israël, pour être le seul pays démocrate dans le Proche-Orient. On est le seul pays démocrate dans le Proche-Orient parce que les autres, ils sont plus pourris que nous. Mais pas parce qu'on est des tzadikim. Parce que les autres, c'est des dictateurs. C'est ça ce qui nous rassure. On a créé un modèle juste. On a créé un endroit où que c'est que la vérité qui se dit, où c'est toutes les vérités qui se disent. On a créé un endroit où il n'y a pas de haine gratuite. On a créé une société juste qui permet à tout le monde d'accéder partout. On a créé une liberté d'esprit? Non. Loin de tout ça. Mais tant qu'on se pose des questions, on pourra arriver un jour. Le jour où on doit accepter le mal, où on se justifie, c'est notre malheur. Un des plus grands des problèmes de l'État d'Israël, c'est qu'on a arrêté de se poser des questions. Et c'est pour ça que vous voyez tous ces manifestants dans les rues. Ils sont déséquilibrés par eux-mêmes. Ils ne savent plus vers quoi aller. Dans tous les sens. La question, c'est combien de pouvoir nous allons attribuer et donner
à la Cour suprême. Sont les manifestants pour les enfants malheureux qui n'y accéderont jamais dans les universités, dans ce manque de justice terrible, où il y a tellement de différences entre les enfants en Israël. Un enfant à Ranana, la mairie, elle donne pour lui 25 000 shekels par an. Un enfant à Dimona, même pas 2 000 shekels. D'accord? Quelle injustice! Parce que ce pauvre enfant n'est pas né dans la bonne famille, n'est pas né dans la bonne adresse. Sur ça, on devrait pleurer jour et nuit. Ça, c'est l'échec total de la société qu'on a voulu monter. Une société injuste, au plus grand extrême. Mon cher Rabbeinu nous dit, quand on ne se pose pas des questions, ça c'est l'arbre d'Azam. Ça c'est l'arbre d'Azam. Ça c'est le Shfirut d'Amim. Ça c'est le Gilou Yarayot. Tout est là. On est dans les choses les plus dures. Parce qu'on ne se pose aucune question. Parce que notre vie est tellement simple. Regardez à quel point les esprits s'enfermaient. Il n'y a aucun qui veut écouter l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une recherche de Emet. Il n'y a que militer un contre l'autre. Tu n'affranchiras pas un pas vers moi. Et moi, je n'irai pas un pas vers toi. Il est où le Emet? Toi, tu ne veux pas venir vers moi. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas une vraie recherche. Et on s'éloigne. On s'éloigne. Quand les prophètes ils sortaient dans les rues à l'époque, le Talmud nous dit qu'il y avait 1 200 000 prophètes durant ces 1000 ans. 1 200 000. C'était des gens qui sortaient l'après-midi comme ça dans la rue, qui montaient sur une pierre et criaient sa prophétie. Et les gens venaient, ça faisait un débat. Il y avait quelque chose qui se passait. On ouvrait un sujet. Il disait, Hachem n'est pas content de ça et ça. On n'était pas en train de dire toute la journée avec une gava comme un paon. On a fait le meilleur modèle. On a fait. Quelle société juste? On n'a pas créé une société juste. On a créé une société qui a voulu faire donner à tout le monde imposer une règle sans chercher le mérite. Les Juifs du Yémen, quand ils sont venus en Israël, sont descendus de l'avion, on leur a coupé les pertes. On les a envoyés au kibbutz. Vous allez devenir des Occidentaux. Est-ce qu'on s'est posé une fois la question? Mais il faut examiner leur modèle de vie, peut-être il est mieux que le nôtre. C'est les Juifs qui étaient le plus authentiques de toutes les diasporas, les communautés d'Israël. C'est les seuls qui ont gardé tellement fort et tellement... Il y a peut-être des choses à apprendre. On est venu avec une vérité, on a voulu imposer. Ça c'est le plus grand éloignement. Quand le cœur n'est pas prêt à être ouvert pour entendre un message. Et c'est pour ça que ce livre, il faut l'écouter. Il faut se dire, Eléa Devari, ma chère Dida Moshe. Voici Moshe me parle, je veux entendre. Contrairement aux autres livres, les autres livres, c'est Vaïdaber Adonai et Moshe les morts d'Aber. C'est un ordre, Tzav et Bnei Israël. Là, c'est un dialogue avec Moshe. Écoutez ce dialogue. Se poser les vraies questions dans la Avodat Hashem. À quel point je suis en veille d'Hashem? Ça aide de ne pas arrêter de poser. Et les questions qui sont les plus embêtantes, que tu n'as pas de réponse, ben il faut te les reposer 10 fois. Parce que c'est que ça qui peut te faire évoluer.
dans ta avodat Hashem. Que ça. Ça, c'est tahrit. Le mot, il est tellement simple, il est à dévarim. Mais il est tellement profond. Il est à dévarim. C'est parole. Parlons. Parlons. Alors que Hachem nous aide. Et que nous, on s'aide à nous-mêmes. De se préparer. Pour savoir poser des questions. Et de ne pas avoir peur d'affronter des choses très dures, des vérités. Ne pas avoir peur de ça. Et avec ça, on commencera notre Géoula à nous déjà. Et quand on aura notre Géoula à nous, on pourra penser et demander une Géoula pour le Ham Israël dans son intégralité. Amen. Kedi Yiratzah.